Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. Ouh là là, comment il va celui-ci? Vous allez bien, Sterling? Et vous, comment vous allez? Ça va très bien, ça va très bien. Vous m'entendez bien, Sterling? Oui, je vous entends. Pourquoi je vous entendrai pas? Et parce que vous avez dormi sur votre oreille gauche, ça vous avait fait un accouphène la dernière fois. Oui, c'est vrai. Moi, vous savez, j'ai peur pour vous, mon petit Sterling. C'est bien normal d'avoir peur. C'est pas ici, Sterling. Bon alors, est-ce que vous avez bien dormi? Mais j'ai très bien dormi, Cooper. J'ai très très bien dormi. Bon. Je me suis revigoré, si vous voulez mon avis, revigoré. Je veux votre avis, Sterling. Je veux votre avis. Bon, mettez direction le commissaire. On va discuter. Oui, on va continuer notre aventure. Oui, bien sûr, on va continuer notre aventure avec le procureur, hein, Sterling. Hein. Ah bah oui. Allez, venez, n'oubliez pas votre attaché-caisse. Hein. Ah oui, bien vu. Sinon, tout va bien. Alors, vous pensez quoi de cette nouvelle pilule que j'ai prise, Sterling? Alors, c'est très bien, vous me cassez moins les oreilles. D'accord, je vous cassais les oreilles avant, Sterling, c'est non, ce que non, vous êtes en train de mais me dire. Non, mais elles étaient très fragiles, mon cher. Oui, votre oreille est très fragile. Oui, très. Mon oreille est très très fragile. Bonjour, monsieur, bien comment allez-vous? Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous. Oui, nous, on va très bien. C'est très gentil de demander. On a passé une excellente nuit. On a fait un repos formidable. On a pris une petite camomille avant de dormir, je dois le reconnaître. Et ainsi va l'être. Très bien. Bah, dans ce cas-là, je vous invite à monsieur. Bah oui. Voilà. Vous voyez comment on entend le procureur Oui. Eh bien, on l'entend bien. Eh bien, oui. Vous, on vous entend un chouïa moins bien. Moins bien. Mais je peux rien faire. Oui, absolument. Je peux rien faire, Sterling. Je pense, mon cher Sterling, que je suis au maximum de ma capacité. Oui, non, mais je pense qu'on peut mieux faire. Mais je ne pense pas, Sterling. Je crois que si, je sais exactement où en plus. D'accord. Mais c'est pas grave. Dites-moi tout, Sterling, pendant qu'on marche. Sur votre application, vous avez l'application GoXLR. Oui. Avec mic setup, augmenter le décibel non pas à 31 comme vous étiez, mais à 40 comme moi. Ne bougez pas, Sterling, ne bougez pas, je m'absente mentalement. Oui, regardez bien votre téléphone et essayez de. C'est bon, Sterling. Wow, voilà. Bah là, c'est super. Là, c'est super. Ah, d'accord, là, oui. C'est beaucoup mieux, Sterling. Ah, oui. C'est beaucoup trop, d'ailleurs. C'est... D'accord. Je vais laisser un petit peu, Sterling. Bougez oui, pas. Un chouïa. Dites-moi la phrase suivante. En tant qu'avocat, je représente la justice et l'ordre. Écoutez, moral. Sterling, en tant qu'avocat, je représente la justice et l'ordre moral. Eh oui, c'est bon ou pas? Voilà, c'est parfait. Alors, que puis-je faire pour vous, messieurs? Expliquez-moi un peu. Monsieur le procureur, nous avons un problème par rapport à ce qu'il s'est passé la dernière fois. Dites-moi. Quelque chose nous a fortement déplu, dont la réaction de deux agents de la police sur vos ordres qui ont sorti les tasers pour tenter quelque chose. L'intimidation, exactement. Nous sommes auxiliaires de justice et on n'intimide pas des auxiliaires de justice, monsieur. Et vous n'avez pas essayé de m'intimider en m'empêchant de sortir de la salle? Non, monsieur. C'était pas une intimidation, non. Monsieur. C'est juste que vous refusiez d'écouter des avocats dans l'exercice de leur fonction, monsieur. Parce que là, vous entraviez à ma liberté, on est d'accord? Non, monsieur, vous n'avez pas de liberté. Est-ce que vous entraviez à la loi, monsieur? Négatif. Vous vous éloignez de vos responsabilités. Oui, monsieur. Négatif. Je pense que pour avancer tous ensemble, il va falloir que vous fassiez un effort et que nous fassions un effort. Et dans cet effort, monsieur, il faut avouer que vous n'avez pas respecté la loi convenablement. Notre client devait sortir. D'ailleurs, il est sorti. Je me demande bien qui l'a autorisé à sortir. Liberté conditionnelle, monsieur, c'est dans la loi. La justice, monsieur. La justice. Nous sommes auxiliaires de justice. Il faut nous écouter de temps en temps, monsieur. Bon, venez-en, vous faites après. Eh bien, monsieur, j'aimerais qu'on rappelle que la situation qui s'est passée dans ce commissariat hier encore n'était pas normale. Tout comme les paroles que nous avez dit, comme quoi apparemment il fallait amende d'arrêt pour une personne qui était en train de s'échapper sur un bateau. Vous vous rendez compte de l'absurdité que vous C'était son bateau, donc oui, il fallait amende. C'était son bateau. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous savez quoi? On va demander à quelqu'un de tuer votre mère, votre femme, je sais pas, qui vous voulez. Reste à ta place. Et donc, cette personne va prendre sa voiture et va partir, vous allez dire, je vais vous dire, ah bah non, il fallait faire un mandat d'arrêt. Qu'est-ce qu'il raconte, Cooper? Je ne sais pas, Sterling, je crois qu'il ne connaît pas les lois, apparemment. Mais nous connaissons vous les racontez, lois. Monsieur. Je vais vous raconter une autre histoire. Vous êtes sur votre propre bateau, vous êtes en train de pêcher. Il n'y a pas besoin de mandat d'arrêt. Étant donné qu'il était sur une course poursuite, et qu'avant d'être sur son bateau, il était en liberté, en train de courir, et qu'il a pris. Non, négatif, monsieur. Donc vous êtes en train de contredire mes paroles? Bien sûr. Mais d'accord. Mais oui, monsieur, bon, je suis écoutez, en train de on va, sur ce point-là, on va pas s'entendre, donc ça ne sert à rien de s'éterniser là-dessus. Non, il faut venez-en au point suivant. L'épreuve, ce
ce sont les témoignages des officiers assermentés. Oui, mais a priori, il y aurait un problème, monsieur. S'il y a un hélicoptère, il y a des vidéos. Bah, bien sûr. Eh ben, nous souhaitons voir ces vidéos, monsieur. Bah, pas de souci, on va vous les donner, je vais demander à la police. Voilà, exactement. Voilà. Que, si je vais, et vous allez vous apercevoir que la personne sur le bateau n'a jamais été en dehors de son bateau, monsieur. Vous vous mépasserez de jour en jour, messieurs. Nous avons les preuves de l'achat. Et de plus, vos jumelles fois 100 à la con, si je puis me permettre, ne sont pas assermentées par la justice. Pardon ? Parlez plus fort, Cooper. Qu'est-ce que vous avez fait encore ? Et Sterling, quand je suis énervé, vous savez que je parle un petit peu plus bas. Oui, je sais, mais énervez-vous bien. Voilà, je suis assez énervé. C'est bon ? Vous m'entendez bien, monsieur ? Bah, dans ce cas-là, je pense que vous devriez prendre une deuxième camomille, messieurs, non ? Deuxième camomille. Sterling, je te prends une deuxième camomille, Sterling ? Une petite. Une petite camomille encore. Une petite camomille. Sterling, c'est bon ? Vous avez touché un truc, Cooper ? Oui, bah oui. Il fallait pas. Vous avez fait une connerie. Et là, c'est bon, Sterling. Là, ne touchez plus maintenant. Très bien, Sterling. Donc, très bien. Ne touchez plus à rien. Oui, fais-moi un récapitulatif, Sterling. Mais Cooper, à quoi vous avez touché encore ? Mais écoutez, Sterling. Comment je viens de casser les couilles, Cooper ? Oui, mais je comprends bien. Tout le monde me casse les couilles ici en ce moment. Écoutez, vous écoutez pas les autres, vous écoutez moi, Cooper. Est-ce que c'est clair ? Oui, je vous écoute. Mais remettez comme c'était avant. Oui, mais je peux pas. Il va falloir pouvoir. Là c'est bon, là c'est bon de toute façon. Voilà, là vous touchez plus à rien et c'est bon. Si vous écoutez les petites voix dans votre tête, non, ça va pas le faire. Vous allez bien les collègues ? Pardon ? Vous êtes pas des collègues ? Ah bon. Auxiliaire de justice. C'est quoi auxiliaire de justice ? Auxiliaire de justice. Monsieur, vous voulez travailler dans la LSPD, vous ne savez pas ce qu'est un auxiliaire de justice, monsieur, c'est ça ? Est-ce qu'il existe quelqu'un de compétent dans cette ville, Sterling ? Oui, je ne sais pas. Je me pose ouvertement la question. Oui, on se pose beaucoup de questions dans cette ville. Je suis nickel. Crois t'es qui t'es claqué par. Ok, monsieur. Procureur, ça marche. Il faut partir, monsieur. Comment vous parlez à un agent de police, là, monsieur ? Ça, c'est pas à vous de me dire comment je dois parler à mes agents. Merci beaucoup. À mes agents ? Oula. Ouh, Sterling, nous avons une affaire bien salée, là, si je puis me permettre. À mes agents ? Bon, monsieur le procureur, voulez-vous travailler, s'il vous plaît, main dans la main avec nous, ou vous voulez travailler contre nous, monsieur le procureur ? Je pense que rentrer en guerre contre des auxiliaires de justice n'est pas une bonne idée. Nous connaissons la loi, monsieur. Mais heureusement que vous connaissez la loi. Mais Dieu merci que vous connaissez la loi. Vous êtes avocat. Manquerait plus que ça que vous connaîtriez pas la loi. On connaît la loi, monsieur. On connaît la loi. C'est tout ce que vous avez à savoir. Voulez-vous travailler avec nous, oui ou non ? Il faut répondre à la question, monsieur. Tout dépend de vous. Tout dépend. Dans ces cas-là, on va vous demander de faire un petit effort, s'il vous plaît. Nous devons collaborer, monsieur. Vous comprenez ou pas ? C'est-à-dire que ce qu'il s'est passé hier est inadmissible. Nous, vous pouvons porter plainte contre vous, et nous n'avons pas que ça à faire. Soyons francs, d'accord ? Je vous demanderai, monsieur, de mettre votre mauvaise foi de côté. Et de travailler. Braquage en cours ! De travailler avec la loi, monsieur. Et sachez que la police ne sont pas vos hommes. Bon, genre, finissez vos leçons de morale, j'ai. Mais vous voyez, vous ne voulez donc pas vous travailler avec nous. Vous ne pouvez pas. Bon, écoutez, on va pas tourner autour du pot. C'est la dernière fois que nous vous proposons de faire preuve de bonne foi, monsieur. Après, on ira sur le terrain de la loi, monsieur. Et croyez-moi sur ce terrain-là. Réfléchissez, s'il vous plaît, parce que là, vous nous empêchez d'appliquer la loi à plusieurs mesures et c'est compliqué. Alors, si vous voulez faire votre bougon, excusez-moi du terme, mais si vous voulez faire votre bougon de votre côté, vous nous le dites, nous, comme ça, on est. Bon, ce sera tout ? C'est tout de notre gueule. Oui. Là, monsieur, là, vous ne faites vraiment pas d'effort. Donc, on vous tend la main et vous ne voulez pas. On est bien d'accord, monsieur. Ah, mais moi, je ne... Monsieur, quel âge avez-vous ? 12, 13, 14 ans, monsieur ? Je n'ai aucun problème avec vous. C'est tout simplement vous qui essayez de prendre de haut tous les gens dans cette ville, y compris l'avocate que vous non, avez. Non, nous connaissons soir. La loi. Nous connaissons la loi, mais on ne parle pas de loi. On vous parle d'éducation, là, messieurs. Oui, mais en parlant d'éducation, est-ce que vous êtes prêt à collaborer ou pas ? Personne ne prend personne de haut, monsieur. Est-ce que vous pensez que c'est normal de prendre les gens de haut ? Est-ce que vous pensez que c'est normal d'enfermer quelqu'un 24 heures dans une cellule alors qu'il y a une liberté conditionnelle ? C'est au juge de fixer sa caution. Moi j'entends quelqu'un qui bégaye. Passez une bonne journée, monsieur. Allez, on va pas perdre de temps. Bonne journée. Il bégaye, Sterling, il bégaye. On vous aura tendu. Oui, calmez-vous, Sterling. Il a refusé la perche. Oui, il a refusé la perche. Bon, de toute évidence, je pense que le procureur essaye de se choper la petite avocate et ça va être terrible. Il a bien raison. Il essaye de fourrer son trou dans la loi, si je peux pas. Oui, il essaye de mettre son cure-dent, comme on dit, dans les lois. Tu sais quoi, mon cher Sterling ? Dis-moi tout. J'ai limite envie de... Des fois, j'ai envie de déraper. Voilà, je te le dis. Mais je donne à moi Cooper que, selon les articles 80 et 91, j'ai envie de... Oh là, c'est un policier ou un homme armé ? C'est un policier. Mais on ne sait plus dans cette ville. Vous savez quoi, Sterling ? J'ai bien envie de parler au capitaine. Oh, c'est le président. Ah, répondez.
Allô. Oui, bonjour monsieur le président, comment allez-vous? Très bien vous, maître Cooper. Ça va très très bien, j'ai besoin de vous voir monsieur. Vous avez besoin de vous... Est-ce que vous connaissez les lois? Oui, on connaît les lois monsieur. Très bien. On demande donc à vous voir en connaissance de cause et de loi. En connaissance de cause et de loi, très bien. Ça va être un dossier très sensible, je préfère vous le dire monsieur. J'en ai beaucoup aujourd'hui, donc ça fera un plus. Voilà. Eh ben à tout de suite. Oui, mais où? Au gouvernement. Très bien, à tout de suite. Allez, j'ai raccroché Sterling, on n'a pas le temps pour ces conneries, on y va. On doit aller où là, mon Cooper? On va voir le président au gouvernement. Et vous avez vu, Cooper? Oui, dites-moi. Agents, comme s'il était le capitaine de la police. C'est quoi cette histoire? Oui, on est d'accord. Alors, c'est quoi le but d'un procureur dans la vie, mon cher Sterling? De procurer. Oui, bien sûr, mais de procurer. Expliquez un peu pour les gens qui nous écoutent au-delà des frontières. Il représente l'État. Quand il y a une enquête en cours, les avocats sont de la défense et on peut dire, en caricaturant, que le procureur est de l'attaque. Voilà, il est là pour charger les contrevenants et nous sommes là pour les défendre. Exactement, donc nous faire chier Sterling. Voilà, pour faire chier. Mais et il le fait bien. Cas, il peut travailler avec la police, mais en aucun cas il donne des ordres à la police. Allez Sterling. Sterling, on va régler cette affaire. De point de diable. Bien évidemment, avec la justice. C'est fermé Sterling. Est-ce que vous pouvez nous ouvrir, messieurs? S'il vous plaît, il y a quelqu'un? Nous sommes Sterling et Cooper, avocat au gros barreau, monsieur. Excusez-moi, j'ai pas les clés, monsieur le président a quelques petits soucis actuellement. D'accord. Monsieur, juste 30 secondes. C'est ouvert. Nous passons ici à l'intérieur. Très bien, vous, messieurs. Très bien, monsieur le président. Mieux. Je vais vous avouer que ça pourrait aller mieux. Nous venons pour discuter de... Ça peut toujours aller mieux. Écartons-nous, laissons oui, leur intimité... La confidentialité... La confiserie, laissons la confiserie alimenter. La confiserie travailler en paix quand même. Cette ville, comment la résumer, Cooper? Difficilement. Comment expliquer ce qui s'y passe? Ah, messieurs, suivez-moi, je suis à vous. Bon, écoutez, monsieur le président, nous avons un autre problème. Apparemment, quand on se parle, c'est quand il y a un problème. Malheureusement. Donc nous allons discuter du problème. Et on ira boire un café, ça sera avec Sterling qui nous régalera. Bon, monsieur le président, soyez franc. Dans cette ville, vous êtes la personne la plus haut placée. Absolument. Très bien. Le procureur, dans cette ville, est-il touchable, oui ou non, monsieur? Absolument. D'accord. Eh bien, nous avons un problème avec le procureur. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Le procureur se permet... Alors, apparemment, les agents de la LSPD sont ses agents. Je peux même dire, mon cher Sterling, arrêtez-moi si je me trompe, qu'il les utilise tels des cobayes et d'autres choses bien terribles, n'est-ce pas? Du patriarcat. Oui, il a une autorité sur les... Est-il normal que le procureur ait une autorité... Aussi grande, Sterling. Aussi grande sur les membres du LSPD. Oui. Ah bon? Et en quelle raison? Parce que, à quoi ça sert d'être avocat si on ne peut pas faire le métier d'avocat? Alors non, je ne suis pas... Quand je vous dis qu'il exerce ses droits sur les Anglais, vous connaissez le proverbe d'un... Nous connaissons la loi. La police de la police. Nous connaissons la loi. Oui, non, on parle pas de la loi, on parle d'un proverbe. La police de la police. Le procureur, il est là pour aussi encadrer les rangs. Après, il est pas là pour faire votre boulot. Est-ce qu'il a droit de dire à des agents de sortir leur taser pour évacuer... Deux avocats, dans leur fonction. Auxiliaire de justice. Vous êtes assermenté. Très bien. Bon, nous allons vous expliquer la situation d'hier, si ça ne vous dérange pas, et j'aimerais qu'on discute et qu'on trouve une solution. On trouvera une solution, comme on l'a toujours fait, vous et moi. Hier, nous nous sommes occupés de Ricky Spanish, c'était donc notre client, et nous devions le faire sortir. Il est resté 1h30 en cellule, ce qui est déjà, vous serez d'accord avec nous, monsieur le président, bien assez. Nous sommes allés voir le procureur, et nous avons dit au procureur qu'il devait sortir pour respirer un peu l'air de dehors et... aussi un petit peu s'amuser en attendant son jugement. Nous appelons donc ça la liberté conditionnelle, monsieur le président. Oui, absolument, c'est ça. Voilà, il a refusé. Donc nous avons dit que ce n'était pas dans la loi. Nous connaissons la loi, monsieur le président. Absolument. Nous avons dit... En quel droit a-t-il refusé? Exactement. Et il refusait... Cet individu est dangereux. Lequel? Monsieur Spanish. Il était en cellule, il était en tenue de prisonnier depuis 1h30. Les chefs d'accusation sur votre client. Légitime défense, enfin, les chefs d'accusation ne sont pas de la légitime défense, c'est tir sur un officier de police. Mais le contexte est, il était sur son bateau, un officier est venu sans sommation, il lui a fait peur et il a tiré. Et la police a riposté. Il n'y avait aucune raison de... Dans l'histoire, le client a reçu une balle, évidemment, et le policier dans la jambe. Il n'y a pas eu de mort, grand bien nous fasse, monsieur le président. Ah oui, donc, 1h30 de prison en attendant un jugement, c'est déjà suffisant. Nous avons donc gentiment demandé au procureur de le laisser en liberté conditionnelle, quitte à lui mettre un bracelet de surveillance pour ne pas qu'il quitte. Toute personne attendant son procès. Exactement. Il a refusé. Nous avons donc enfermé
enfin enfermé. Nous nous sommes mis devant la porte, hein, mon cher Sterling, hein, sans menace, sans rien de tout cela, hein, n'est-ce pas? Oui, il voulait quitter les lieux sans discussion et faisant preuve. Moi, j'appelle ça un petit chef. Moi, mon cher Sterling, j'appelle ça de l'enfantillage. Hein, j'appelle ça de l'enfantillage. Oui, il s'est comporté comme un enfant. Petit chef capricieux. Exactement. Il ne voulait pas nous écouter. Il ne voulait pas écouter la loi, monsieur le président. Et nous avions donc affaire à un procureur enfant. Un gamin, on peut le dire, mais mon cher Sterling, permettez-moi ce mot, un gamin. Donc, nous avons le temps de résoudre cette affaire parce que notre client était en train de pourrir dans sa cellule. Nous avons donc bouché la porte, d'accord? Il a appelé pour ne pas qu'il sorte et pour qu'on trouve un arrangement, monsieur le président. Nous sommes mis devant la porte. Voilà, nous n'avions évidemment ni armes, ni rien de tout cela, nous connaissons la loi. Voilà, nous n'étions pas dangereux. Il a appelé... La loi, on appelle ça de la désobéissance civile. Très bien. Il a appelé deux agents, il leur a ordonné de sortir des tasers et si jamais on ne le laissait pas passer pour faire ses enfantillages, on finissait sûrement à l'hôpital, mon cher Sterling. J'ai eu très très peur, mon cher Sterling. Ou même en état d'arrestation, d'après ses dires. Ou même en état d'arrestation, Sterling. Donc, monsieur le président. C'est sacré, monsieur. Monsieur le président, nous ne sommes pas plus haut que les autres, mais nous essayons de faire notre travail. Avec un procureur comme celui-ci, nous ne pouvons. Bah, dites donc, les rouges écarlates, il y en a quand même beaucoup. Hein. Mais nous ne pouvons pas faire notre travail. Malheureusement. Avec un procureur. De l'affaire, juste pour la raison pour laquelle il y a un code rouge, c'est des agents de police qui ont été kidnappés et torturés. C'est. Je commence à croire que c'est mérité. Excusez-moi du terme, je n'oserais pas en tant qu'avocat, mais je commence à me dire que c'est peut-être plus trop au bout d'un moment. Donc, nous sommes en Amérique. Monsieur le Président, voilà ce que je vous demande, s'il vous plaît. Et mon cher Sterling, je pense, appuiera mes propos. Nous demandons à ce que vous ayez une réelle discussion avec le procureur pour lui rappeler que ce n'est pas un Dieu tout-puissant ici même, dans cette ville, qu'il doit laisser les avocats connaître la loi et faire que nous puissions... Et d'être à l'écoute. Et d'accepter... D'avoir tort, mon cher Sterling. D'avoir tort. La loi est raison, tout simplement. Exactement, mon cher Sterling. Si vous voulez, bon, vous savez, il n'y a pas que des gagnants dans la vie, mon président. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il faut savoir perdre. Et je pense que cette personne a du mal à perdre, si vous voyez ce que je veux dire. Mais nous connaissons la loi, monsieur. Nous connaissons la loi. Bien évidemment, mais de toute façon, comme on dit, dans le domaine du droit, nous ne perdons pas, nous faisons justice. Exactement, monsieur, c'est de très beaux propos. Et je crois, je pense même, monsieur le président, que ces propos, vous devriez lui dire, parce qu'il pense perdre dans une histoire où on ne fait que notre boulot et il fait que son boulot normalement. Bien évidemment, il n'y a pas à y avoir de guerre d'ego. Exactement. Ça n'existe pas. Exactement, nous connaissons monsieur la loi, monsieur, nous sommes les meilleurs. Je le sais. Nous connaissons la loi et lui, de toute évidence, apparemment, mon cher Sterling a du mal. Excusez-moi d'en rigoler, je préfère en rigoler qu'en pleurer, voyez-vous. Je pense qu'il ne connaît pas suffisamment la loi, quand même. Hein. Je vais avoir une réelle discussion avec lui et je vous en donne ma parole. Mais je compte sur vous pour une réelle, parce que nous venons de le lâcher il y a de cela quelques minutes. Et c'était encore un enfant, hein. C'était encore un enfant, donc il va falloir arrêter. Il lui a proposé de tendre la main, coopérer et travailler ensemble, chose à laquelle il n'a pas répondu. Vous savez ce qu'il a dit, monsieur le président, je vais vous dire. Ne lui dis pas. Écoute, Sterling. Allez, dis-lui. Personne ne peut m'arrêter, je lui dis, Sterling, je lui dis. Nous avons parlé avec cette personne pendant 5 minutes pour lui tendre la main, monsieur. Pour lui tendre nos mains, monsieur. Et vous savez ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a dit, monsieur, au bout de 5 minutes? Il a dit, ça y est, vous avez terminé. Et vous rendez compte, monsieur? Un procureur, monsieur? Comment voulez-vous que cette ville se tienne convenablement avec un procureur comme ça, monsieur? Je l'entends. Écoutez, monsieur le président. S'il le faut, nous nous présentons comme procureur. Il n'y a aucun problème là-dessus, nous pouvons faire notre travail de procureur sans aucun problème. Nous sommes venus ici, monsieur le président, pour que la ville aille bien. De toute évidence, ça va mal, monsieur le président, donc nous essayons de faire notre travail. Sachez une chose, c'est que je suis très heureux d'avoir des gens ayant les mêmes convictions que moi dans cette ville. Nous souhaitons la justice, nous souhaitons l'ordre, tout simplement. Ouais. Malheureusement, on ne peut pas faire tout ça seul, même en tant que gouvernement. D'ailleurs, très compliqué. Si je puis me permettre, monsieur le président, je pense que le procureur est de connivence avec une petite avocate, certes très élégante et très sexy. Absolument. Si je puis. Et ça me paraît suspect, les pires. Le président nous a affirmé, mon cher Sterling, ce qu'on voulait entendre. Sachez, messieurs. C'est problématique, ça, monsieur. C'est problématique. Je l'ai dit tout à l'heure au téléphone. Sachez-le. Je lui ai dit que le fait d'avoir une relation avec cette femme peut créer. Relation, j'entends bien. Attendez, je peut créer un certain conflit d'intérêts dans son boulot. Nous sommes d'accord. Petits arrangements entre procureur et avocat, ça flirte, et au final, c'est des petits arrangements. Bon, ton client, je te laisse, comme ça, je gagne la victoire. Vous connaissez un proverbe d'avocat qu'on me disait quand j'étais plus jeune, messieurs? Dites-nous. Il y a deux types d'avocats, ceux qui connaissent la loi et ceux qui connaissent le juge. Exactement, monsieur le président. Et vous connaissez la loi, messieurs? Nous connaissons la loi, monsieur. Effectivement, on ne cessera de le répéter, nous connaissons la loi.
Et quand il y a des connivences, dites cette phrase, monsieur. Et la loi nous connaît, monsieur. Et la loi nous connaît. Ah, je vous assure qu'elle vous connaît. Je suis en tout cas ravi de pouvoir collaborer avec nous. Vous êtes notre seul espoir dans cette ville, hein, mon cher Sterling, soyons francs. Bah, je crois que c'est notre seul espoir. Avec un procureur comme ça, c'est quand même notre seul espoir. La capacité d'écouter et la capacité de régner. J'ai même l'impression, si je puis me permettre, vous êtes équipé de ce qu'on appelle un cerveau. Et ça fait plaisir de discuter avec quelqu'un comme ça ici. Voilà. Vous avez un appendice cervical, très bien. Et je vous assure que j'aurai une discussion avec lui plus sérieusement et je vais vraiment le faire se remettre en question car je ne peux pas me permettre de laisser un procureur qui est de connivence avec une avocate et qui en plus de ça fait mal son travail. Vous savez ce qui lui manque à ce monsieur ? Je pense qu'il est arrivé à un moment dans sa carrière où tout lui est acquis. Je pense qu'il manque de concurrence et qu'il manque de pression, voyez-vous ? Absolument. Je pense que là il a appris un peu trop ses aises, si vous me permettez, et que ça déborde un peu sur son Je pense, mon cher Sterling, je pense que tu sais, c'est une histoire d'ego. Hein. Une fois procureur, mais oui, c'est malheureusement dans cette ville, l'ego est. Et oui, et vous savez ce qu'on dit, hein. L'ego d'un homme n'arrivera jamais à la cheville de la loi, monsieur. Sachez-le. Exactement. Sachez-le. Écoutez, on va vous laisser, monsieur le président. Je compte sur vous pour nous appeler dans la soirée, si possible. Je vous l'assure. Une fois réglé. Vous savez ce qu'on dit, monsieur. Quand on marche sur un Lego, ça fait mal aux pieds. Et vous savez ce qu'on dit aussi, monsieur. Qui ne saute pas, n'atterrit pas. Voilà. Exactement. Ok. Sur ce, on y va. Toujours un plaisir, en tout cas, de m'entretenir avec vous. Eh ben, écoutez, le plaisir est partagé, mais il faut régler cette histoire parce que ça commence à me casser les couilles. Il y en a un peu beaucoup des histoires, ça commence aussi à me casser les couilles, si je peux me permettre. Monsieur le Président, sachez que la loi a des limites. Ouais, c'est les limites et nos couilles, pour le coup. Exactement. Et les gens dans cette ville, ils voient beaucoup, mais ils regardent pas, monsieur. Absolument. Parce que les gens prennent nos couilles pour un sac de frappe, si vous voulez mon avis. Non, Sterling, s'il vous plaît, pas d'arrogance. Si, je pense que. Au bout d'un moment, il a raison. En connaissance de cause, il a raison. Sterling, ça reste des mots forts tout de même. Devant le président, je ne sais pas si c'est adéquat. Oui, c'est vrai que je... Il faut savoir ouvrir son cœur, monsieur. Et la porte, voilà, merci. Passez une bonne journée, monsieur. Excusez-moi. Bonne soirée, monsieur. J'ai quelque chose dans le nez, Sterling. Dites de votre équipe. Quelque chose dans le nez, oui. Dites-moi. C'est pas grave. Oh, bah dis donc, il y a beaucoup de. Sur l'auto, bah, dis donc. A-t-on vu déjà une autre couleur que le rouge écarlate ? Non. C'est bien ce que je pensais, Sterling. C'est bien ce que je pensais. Cooper, j'ai une idée qui me. Dites-moi tout, Sterling. Je propose qu'on aille voir cette. Harley, machin truc. Qui est-elle ? L'avocate qui est tombée amoureuse. Oui. Eh ben, allons au commissariat demander son numéro, tiens. Voilà. Vu que Tu sais, Sterling, tu sais ce que nous allons faire. Nous allons faire notre métier et bien le faire. Nous allons trouver un maximum d'informations et nous allons faire en sorte qu'ils perdent leur job. Exactement. On est avocat ou on n'est pas avocat. On connaît la loi, Sterling. On connaît la loi et on ne nous marchera pas sur les appendices. Exactement. Bonjour, monsieur, nous connaissons la loi. Bonjour, monsieur. Je ferme pas la porte. Oui, c'est bon, vous êtes bien installé, Sterling. Je suis bien installé. Direction le commissariat. Puis si on peut se trouver une petite affaire, je ne vous cache pas que se faire encore un peu d'argent, c'est pas un mal. Faut bien qu'il y ait une compensation, si vous voulez. Il faut, Sterling, bien sûr. Je veux votre avis, Sterling. J'espère bien. Est-ce qu'on peut s'arrêter à une petite surupérette ? J'aimerais acheter... Oui, il faut le mettre, Sterling, sur le GPS, s'il vous plaît. Je ne connais pas la ville par cœur, on est nouveau ici. Dis-moi, ça fait bien longtemps que j'ai pas eu des petites nouvelles des filles. Pendant que tu vas acheter des trucs... Oui, essaye de passer un coup de téléphone. Oui, je vais appeler, Sterling, je vais appeler. On ne sait jamais, moi ça m'inquiète. Je m'inquiète, c'est bien. Je ne veux pas qu'il lui arrive des problèmes outre mesure. Cooper, vous voulez mon avis ? Oui, dites-moi. $240, une canette de coca, c'est un peu cher. Oui. Je dis en 32. $500. $500 sont partis pour à peine m'hydrater. $500 pour deux canettes, effectivement. Y avait pas des capricanes ? Y avait que ça. Y avait même pas de dame, j'ai pris. Elle a... Wow, il est totalement malade. Il est totalement fou dans cette ville. Hein. Je pense que le code rouge écarlate, ça leur fait tourner la tête. Pensez-vous qu'elle a un cabinet, cette avocate ? Je n'ai aucune idée. J'ai jamais entendu parler d'elle. Oui, personne n'entend parler d'elle. Hein. Nous connaissons la loi, mais la loi ne la connaît pas, de toute évidence. La loi ne la connaît pas. Elle n'est en rien une avocate. Je n'ose le Écoutez, croire. Écoutez, si je puis me permettre, elle est habillée comme catin, comme on dit, hein, bien évidemment. Oui, catin, c'est le terme est très juste. Catin, le terme est juste. Le terme est fort. Mais... Il est dur, Sterling. Il est dur, le terme. Mais il est juste. Excusez-moi. Sterling Cooper, avocat au gros barreau, messieurs, dames. Nous connaissons la loi. Nous sommes auxiliaires de justice. Nous pouvons nous permettre d'aller au moins jusqu'au bureau. Et quand bien même quelqu'un ne serait pas content, nous y sommes invités. Il y a des gens quand même avec des fusils d'assaut. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, excusez-moi. Vous courez sur le toit. Excusez-moi. Bonjour. Excusez-nous. Vous avez l'air pressé. Bonjour monsieur. Je peux vous aider ?
Oui. Oui, effectivement. Bon, bah, dites donc. Voilà, vous êtes là. Dites-vous, avez-vous le numéro d'une avocate assez grande, toujours sur talon? De type féminin, madame. De type féminin. Pas du tout. Par contre, le procureur, oui, je pense qu'il l'aura. Ah bah oui, on se doute bien qu'il l'a. Mais nous n'aimons pas le procureur, monsieur. Nous n'aimons pas le procureur. Le procureur n'aimant pas la loi, nous n'aimons pas le procureur. Ah, vous voulez que je l'appelle pour que je lui demande le numéro? Oui, demandez de manière discrète, monsieur. Discrète, pas que c'est pas de soucis. Selon une déontologie, n'hésitez pas. Et si vous demandez pourquoi, vous dites que vous avez peut-être un client qui pourrait être intéressé. Exactement. Vous savez bien, j'ai une imagination. Oui, bonjour, monsieur le procureur, comment allez-vous? Ouais, j'ai besoin du numéro de l'avocate qui était présente hier au PDP. Ok, parfait. Comme ça, si jamais j'ai un client pour elle, je l'appelle. Ok, 8770, tu m'as dit, c'est ça? Note to starting. Je note immédiatement. Ok, 8770. Parfait. 8770. Eh bien, merci, monsieur. Ouais, monsieur. La loi vous en est très reconnaissant, monsieur. C'est pas de soucis, avec plaisir. Et faites attention à vous. Merci également. Faites attention, on est en code rouge et apparemment, on a des menaces terroristes sur le centre. C'est pas un problème. Oui, on connaît la loi et tous les jours, apparemment, c'est un problème. Oui, là, c'est un peu plus que d'habitude. Je m'inquiéterais, monsieur, c'est qu'on sera plus écarlate. Oui. Je m'inquiéterais le jour où le code sera vert et que je ne l'aurais jamais vu, monsieur. Oui, là, ça sera pas normal. C'est vrai. Mais ça ne serait pas tardé. Je pense que bientôt, on en aura. Espérons. Je suis confiant. Nous espérons, monsieur. Merci à vous. Bonne journée, monsieur. Passez une bonne journée. Bonne journée à vous également, monsieur. Thank you.